Salut la presse, parler écrit télévisé, une salutation spéciale pour le journal en ligne. Nous disons merci parce que vous venez prendre parole là pour y aller se marier dans quatre coins pays d'Haïti. Malheureusement, je dis à c'est dans un contexte difficile nous inviter la presse, c'est dans un contexte de douleur, c'est dans un contexte de tristesse côté de l'eau à couler dans le genou une autre fois encore. Une autre fois encore, le secteur médical là est touché. Côté les gens petits qui ont assassiné. Récemment, ils ont assassiné Dr. Ernst Pardy. Ils ont assassiné une infirmière qui s'est Miss Mentor. Je dis à la situation ça, il produit tristesse la caille. Nous-mêmes, dans la catégorie secteur médical, là, nous là pour nous desservir quel que soit mon lien dans la société, nous n'avons pas de parti pris. Dans ce sens, nous sentons nous menacés et le pays a menacé tout. Dans ce sens, nous sentons. Nous ne pouvons pas arrêter des bras croisés, nous ne pouvons pas arrêter les bouches fermées, sans nous pas relayer l'autre secteur qui concerne dans la vie nationale là, pour nous dire, on nous mette main avec nous, on nous fait ensemble avec nous, on nous marche ensemble, pour nous dire, nous ne sommes pas d'accord avec l'insécurité, nous ne sommes pas d'accord avec le kidnapping, nous ne sommes pas d'accord avec les gens qui mourent dans le pays. C'est dans le contexte ça même, nous invitons la presse, pour nous annoncer la presse. Dimanche 4, 7 mars 2021, nous avons fait un gros match pacifique dans le pays. Côté nous prenons dit non à l'insécurité. Côté nous prenons dit non à kidnapping. Côté nous prenons dit non avec le kidnapping qui a décapitalisé la société, qui a décapitalisé un paquet de familles dans le pays. C'est dans le contexte que nous avons demandé solidarité à tout le monde, quel que soit le secteur côté, vaudouisant, catholique. Monsieur Dame Petro Challenger, nous conseillons en particulier toujours là. Nous demandons au support. C'est ça que fait. Nous demandons pour tout le monde porter solidarité pour nous réussir ce match-là. Donc, dans le cas, ça a passé, docteur Odile les places pour lui faire mise en contexte cette situation pour nous. C'est difficile dans le pays d'Haïti. Une situation qui existait et qui progressivement, au lieu que le temps amélioré, nous avons une tendance à compliquer. Nous avons rappelé l'autorité aux premières missions que nous avons. C'est garantir la paix avec l'unité. Et pas gagner la paix sans la justice. C'est ça que fait aujourd'hui à nous là. D'abord pour demander justice pour Dr. Ernst Pardy. Justice pour Miss Edeline Louis Mentor, que nous avons lâchement assassiné. Et nous avons demandé justice en même temps pour chaque grand monde, chaque grande famille, je dis, qui a des bras balancés. Côté kidnapping, météo pauvre, météo sans moyens pour gagner la vie. Et la situation ça que nous vivons aujourd'hui, c'est complication, c'est continuité. Parce que l'année passée, nous voyons que comment nous avons perdu Grégory Saint-Hilaire. Nous gagnons Maître Dorval qui tombait. Nous gagnons Evelyne Sincère qui tombait. Dans le commencement de l'année là, nous avons perdu un petit monde 5 l'année. Et finalement, la machine assassinat et la machine kidnapping continue à amplifier. Si nous n'avons rien fait, si nous pas continuer à mobiliser, nous n'avons pas de place encore. Le pays, alors que nous choisissons de vivre là. Et c'est là pour nous vivre, c'est là pour nous continuer à vivre. C'est ça que nous demandons de chaque citoyen dans le pays pour nous engager. Descendre là où il y a dimanche 4-7. Nous demandons des secteurs et protestants, catholiques, vaudouisants, universités, droits humains, et étudiants, et secteurs syndicaux, syndicats moto, syndicats machines, moun quartier populaire, université, tout le monde sans distinction. Parce que nous tous menacés, je dis. Et c'est nous-mêmes qui devons prendre responsabilité pour nous exiger que nous sommes capables de vivre, nous avons droit à la vie dans le pays d'Haïti. Donc, nous attendons tout le monde dimanche. Non, là, devant la faculté de médecine, pour nous marcher, pour nous dire, devant l'hôpital général, pour nous marcher, pour nous dire non à l'insécurité, non à kidnapping, non à l'assassinat, non à la pauvreté organisée, ça, qui gagne le pays d'Haïti. Merci. Je ne sais pas pourquoi saluer tous les camarades de la presse qui sont là.
Et nous saluons en particulier tout le monde qui a gardé nous là, et soit sur les réseaux sociaux, ou bien pas attendre nous tout la radio, ou bien garder nous la télévision. Nous voulons dire que match ça, ce n'est pas un match corporatiste, c'est pour un bagage santé qui a réglé, c'est comme si c'est une revendication d'une guerre pour l'hôpital général que le gouvernement n'a jamais construit. Ce n'est pas une revendication d'une guerre pour les conditions de travail, nous. Mais fois ça, c'est une revendication nationale que nous gagnons. Un phénomène qui concerne chaque grain de monde qui vit dans la société, hein, qui c'est l'insécurité. Hein. Il est vrai que nous gardons des profils. Les gens qui sont victimes de l'insécurité, ou les catégories socio-professionnelles, nous sommes capables de voir le secteur santé surreprésenté. Mais je dis là, nous ne sommes pas venus pour nous dire que nous allons organiser un match contre un docteur seulement qui est victime de l'insécurité. Jean camarade de la Soudil, l'année passée, nous sommes Maître Dorval, nous sommes Saint-Hilaire, nous sommes Evelyne Michel. Evelyne Cesser. Et le commencement de l'année, nous perdons un petit monde, 5 ans. Donc ça c'est horrible. Année à l'an encore nous faisons perdre docteur Padi et nous perdu Miss Mentor. C'est pour ça dimanche à 10h tapant n'attend toute société, à tout secteur de la vie nationale là, devant l'hôpital général là. Ça nous relé HUEH, mais en créole qui connaît l'autre nom qui c'est maman la vie. L'hôpital général c'est maman la vie. C'est peut-être ça c'est là qu'on va commencer le même. Nous a commencé marcher à 10h gentil là, n'a monter la rue Saint-Honoré hein. Nous arrivons chez Chanmas, zone Rue Capois, nous montons chez Médédal, nous arrivons là, nous prenons pause devant le laboratoire d'Espinas, côté où été assassiné lâchement le Dr Padi. Après ça, nous montons dans la rue John Brown, traversons sous la zone pour nous arriver dans le café résistance. Nous connaissons qui est le café résistance, nous représentons. Après ça, nous montons dans l'autoroute Delmar, nous traversons Delmar 60 pour nous descendre le Goudon. N'a passé la rue d'Alancou, n'a descendu sur place canapé vert et puis finalement nous allons terminer devant le laboratoire L'Espinasse qui est encore l'avenue Christophe Lan, côté où tu as assassiné docteur pour nous capables de payer notre tribut à docteur. Donc nous attendons toute presse écrite, parlée et nous capables de téléviser. Nous attendons les médias en ligne et nous attendons toute couche de la vie nationale là. Pour nous coller les épaules avec nous, pour nous dire à bas kidnapping, à bas insécurité, parce que nous voulons vivre. Haïti pas qu'à tout nous l'enfer pour nous-mêmes qui sommes haïtiens. Nous pas qu'à sentir nous étrangers sous propre terre que des salines mourir. Tout des royaumes mourir pour quitter pour nous. Donc nous allons mettre tête nous ensemble, nous allons lever voix nous ensemble pour nous dire à bas kidnapping, à bas insécurité et justice pour tout ça qui est victime de actes insécurité. Merci. De santé qui vous appelle là. Mais nous ne voyons pas un appel à tout le monde qui est dans le secteur de santé seulement. Oui, il est important, il faut être là. Mais toute couche dans la société, il faut qu'il soit présent. Parce que après tirer les menées venues de cette fête-là, nous sommes conscients que nous constatons que toute couche, toute catégorie dans la société a frappé déjà. Surtout moi-même, qui t'ai pris un gros coup avec départ camarade Saint-Hilaire, Grégory, je pense après tout. Pour ça, nous devons dire qu'il faut que ça suspende. Il faut que tout secteur mette ensemble, une fois pour toutes, pour nous dire qu'on ça non. Nous devons suspendre. Mourir n'importe qui. Nous devons suspendre. Passer en bas machine de sécurité. Il faut que pays a fait pour tout le monde vivre. Et nous-mêmes dans le secteur santé, nous disons ça que même gens, nous bataillons dans l'hôpital. Pour nous garantir la vie, il faut que la bataille continue sous béton en tout pour que la vie continue à blâiller dans le petit bout de terre, papa de Saline. Parce que son petit bout de terre qui te joue une indépendance pour tout le monde qui vivre. Il n'est pas fait pour une petite catégorie. Mais c'est pour nous tous, pour nous vivre, marcher, j'en ouvre dans le pays, sans que nous ne marcher sous pression, sans que nous ne connaissions pas subir de kidnapping, nous ne subir de assassinat. Il faut que justice joue pour tout le monde qui perd du et il faut que nous disions que ça va pas doit continuer. Faut que tout bagaille retourne dans l'autre. Merci beaucoup. Ok, moi c'est Edouard Fredin, je travaille pour l'école Lacan, Infoscope Haïti. Ce n'est pas pour la première fois que le docteur a manifesté ou encore senti un travail. Est-ce que vous avez une autre forme de revendication pour que vous soyez capable d'entendre nous? Et démocratie, ben nous, un moyen pour nous capable d'exprimer nous. Nous-mêmes, nous respectons les principes démocratiques. C'est voix nous. Qui moyen expression. Nous pas des âmes pour nous revendiquer, nous pas revendiquer avec âmes.
c'est voix nous, c'est pied nous, c'est main nous pour nous balancer. On dit non à tout ça qui fait mal. Je dis à peuple haïtien a mouri, peuple haïtien a kidnappé, peuple haïtien a passé misère, il a torturé. Donc nous dit non, faut que ça suspende, n'a pas marché et nous t'es dans la rue et dans différentes marches qui fait tout et là n'a présent et n'a continué présent dans la rue pour nous capable toujours exister.